Voilà, ça y est, on est arrivé au parc Grimland. Allez, c'est parti. Alors Clara, on est perdu dans le labyrinthe. On arrive au second monde. Devinez qui a trouvé le coffre numéro 3. Question 3. Les lutins et le cordonnier. Un cordonnier est-il une personne qui fabrique et répare des chaussures? Vrai ou faux? L'avantage avec ce labyrinthe, si vous voulez vous débarrasser de votre copine ou de votre belle-mère, j'ai qu'à accélérer, les laisser en plan ici. Je prends le plan avec moi et puis... et puis je me taille. Ou alors on laisse Clara ici, toute seule. Quatrième monde. Coffre numéro 7. Ma foi, l'énigme du coffre numéro 8 ne sera jamais résolue. Allez, maintenant on va au cinquième monde. On est bientôt sorti du labyrinthe, on cherche la sortie. Normalement, c'est dans pas longtemps. Voilà, ça y est, on est sorti. Bon appétit. Voilà le labyrinthe vu d'en haut. Voilà, donc ça y est, la journée à Grimland se termine. Alors, nous avons passé la journée avec notre petite de 26 mois. Alors vraiment, c'était super. Alors, un petit conseil, portez votre pique-nique ou allez au Lidl qui se trouve pas très loin. Et puis après, vous avez la table à langer pour l'échanger. T'as oublié de dire, le Lidl se trouve à la Roque d'Enterron. Oui, voilà. Oui, parce que c'est un peu galère pour trouver une boulangerie ou autre à côté par contre. Sinon, vous avez des hot dogs, vous avez des frites, vous avez des glaces. Vous pouvez très bien manger ici, vous avez des tables de pique-nique. Tout est à l'ombre. Prenez une poussette. Si vous avez petit en bas âge, pas besoin de prendre de tente. On pensait lui faire la sieste, mais en fait, vous n'aurez pas de coin pour la mettre. Pour manger là-bas, la formule la moins chère, c'est une formule à 7 euros avec sandwich, frites et boissons. Pas besoin de prendre les maillots non plus. Il y a quand même des attractions où il faut quand même le maillot. Il y a le ventre, il glisse, on glisse sur le ventre. Point à préciser aussi, c'est que pour les enfants de moins d'un mètre, c'est gratuit. Voilà, donc il n'y a que les adultes qui payent. L'entrée pour les adultes, c'est 10,50 €. Et pour les enfants de plus d'un mètre, c'est 11,50 €. C'est vraiment sympa comme endroit. Voilà. À faire en famille. Une journée au top à Grimland. Allez, au revoir.